voilà mon lieu de travail. J'ai travaillé 50 ans ici. 50 ans? 50 ans. Depuis 16 ans à la retraite. Ça faisait 49 ans et 6, 7 mois. Vienne lundi pour un grand jour de fête, et le mardi s'en vont à la guinguette. Va, va, petite Jeannette, va, va, le beau temps reviendra. Va, vous étiez où, vous? Là. Au premier étage. Il y a même l'horloge qui ne fonctionne plus. Oui. Non. Le temps s'est arrêté. Jusqu'à 300. Ah ouais, pour cette partie. Et là, devant vous, c'était le laboratoire d'essai. On faisait des essais. Des essais d'acier. De chambre. Ouais, il n'y a plus rien. Fini. Bien son job, ce saunier. Ça vous rend triste ou bien? Non, mais ça rappelle des souvenirs. J'ai jamais pensé qu'à où l'en arriver, là. Quand on bossait, non. Dans les sportages, j'y arrivais. D'un seul coup, il n'y a plus rien. Oh, c'est drôle, hein? Et oui, drôle de fin pour ce qui a été un empire industriel. Tavannes était le centre du monde où tout convergeait. Il y a encore un peu du mouvement à la gare, quand même. Oui, on voit des trains de temps en temps de marchandises, quoi. Il y a plus de monde autrefois. Ah oui. Hein? Oh. Aux heures de pointe, aux heures d'arrivée des trains, pour l'usine surtout. Ça représentait quoi? Beaucoup de monde? Oh, des centaines, hein. Du bas de la vallée, de Sonsbeau, de Tramelan. Où qu'on passe à Tavannes, on tombe sur des souvenirs de ce qui a été sa grande époque. Sur place, il suffit de demander aux anciens pour savoir. Et puis là, par exemple? Oh, mais Charles, c'est plus vieux, hein. Ça, c'était la maison des chefs de la Tavannes-Vache, ça. Ici. Ça date de 1900 à peu près, ouais. 1910. Ouais. Mais pas des petits chefs, hein. C'était déjà être un chef à une certaine hauteur pour avoir logement, là. Et l'hôtel? L'hôtel a été construit tout aussi au début du siècle. 1905, 1906, je crois. Ouais. C'était pour recevoir les clients, spécialement, de la Tavannes-Vache. Là, c'est encore un autre hôtel. C'est l'hôtel de la gare. Les gens d'ici ont la réputation d'être lents, prudents et pas très bavards. Mais vite, le passé refait surface et c'est alors un autre monde qui s'exprime. Ici, j'ai une photo encore, une ancienne photo, une vue des ateliers. Ce qui était à l'époque. Mais on remarque comme les gens étaient serrés. Serrés et sérieux. Oui, serrés et sérieux. Et ici, vers la croix, là, c'est mon père, qui était jeune à l'époque. Quoi. Chez mon grand-père, par exemple, ils étaient 14 gosses. Là, ils ont tous travaillé à Tavannes-Vache. Le grand-père, il gardait deux vaches, deux, trois vaches. Et puis, les autres allaient travailler. Puis quand ils arrivaient à la maison le soir, ils allaient couper l'herbe. Puis le matin, c'était deux bois, cinq heures pour encore faire les champs un moment. Le grand passage du bucolique à la fabrique, de la vie rude mais libre des paysans à une vie en boîte mais salariée. À partir de 1890, en 15 ans, le village agricole est transformé en gros bourg industriel. Venu du Locle avec des capitaux chaudefonniers, le dirigeant de cet empire, c'est Henri Sandeau. L'homme providentiel, un ingénieur rompu aux méthodes américaines de production à la chaîne. Une historienne de la région a étudié l'ascension fulgurante de la Tavannes-Vache et de son capitaine. Alors, il était un génie de la technique, hein, de la standardisation, de la production des montres en usine, mais également, il savait que ça ne suffisait pas d'avoir les meilleures machines au monde si on n'avait pas les gens pour les faire fonctionner.
Ici, il a trouvé un réservoir de main-d'œuvre hein, à bon marché, qu'on pouvait payer moins cher qu'à la chaude-foie au locle. Et il leur a appris à utiliser ces machines. Il les a disciplinées, il leur a imposé un horaire, il leur a imposé le fait que pendant toute une matinée, il ne fallait pas bouger d'endroit, rester à sa place, qu'on ne pouvait pas s'arrêter pour manger. Enfin, tout un système d'éducation, de discipline d'usine qu'il a réussi à inculquer à ses ouvriers. L'esprit de la fabrique se marque aussi sur le territoire. Oui, on modèle les mentalités, on modèle les ouvriers, on modèle l'espace. Hein. En 1905, Sandeau fait venir un architecte, un collègue de Le Corbusier d'ailleurs, qui a travaillé à Zurich et qui vient à Tavannes. Il fera là l'œuvre de sa vie. Et Chapala, il épouse la fille de Sandeau et s'implante à Tavannes. La particularité de cet architecte, c'est d'avoir su insérer dans un cadre rural des nouvelles constructions. On n'a pas construit les fameuses casernes du Creusot de chez Schneider, mais c'est un peu des petites fermes entre la ferme et le chalet. Mais à nouveau, c'est cette volonté d'inscrire l'industrialisation dans le contexte rural, de l'intégrer et pas faire une greffe qui ne va pas prendre. Quoi. Ça prend. Les cadres et les ouvriers modèles à qui on vend ces maisons sont liés à vie à l'usine parce qu'il faut rembourser les patrons qui leur ont prêté l'argent. Un petit jardinet, un appartement bon marché, c'est simple mais hygiénique et ça doit empêcher l'ouvrier de se rendre au bistrot ou pire, au syndicat. Comme on fabrique en masse de l'armement pour les Allemands en 14-18 comme en 39-45, une société immobilière est créée pour éviter de payer des impôts sur les super bénéfices de guerre. On logeait les ouvriers, on les nourrissait. Et là, c'est la première société coopérative avec l'arrivée des pâtes alimentaires, des soupes en sachet, afin que les femmes au travail puissent vite rentrer à la maison avant midi, cuire leur soupe, mettre la table, recevoir les enfants et ensuite retourner à une heure sonnante au son de la sirène à leur établi. Eh ben, si le patron voulait faire un geste pour l'ouvrier, c'est lui qui décidait. Vous comprenez, il n'y avait pas un syndicat pour faire des revendications. C'était le patron qui décidait. Ici, au début de la Tavannes Vache, ils avaient fait certaines choses qui n'étaient pas mal. Il y avait une cuisine populaire pour les ouvriers. Il y avait un réfectoire pour les femmes qui prenaient leur dîner avec eux. Il y avait une école enfantine, ce qui n'existait pas ailleurs. Des choses comme ça. Mais ça n'augmentait pas le salaire de l'ouvrier. Ici, alors, c'est l'école gardienne. La crèche. La crèche, exactement. Vous êtes dessus, là? Oui, ici. Avec un bonnet de marin. Alors, pour quelles raisons ils ont fait une crèche? Mais parce que, par exemple, vous aviez des familles, le père et la mère travaillaient à l'usine, alors il fallait que quelqu'un garde le gosse pendant la journée. Hein. Ça permettait aux femmes de gagner aussi. À Noël, on recevait des cadeaux toutes les années. Au son d'un harmonium, on devait chanter. Merci, Madame Sandeau. Et le prochain cadeau, ça recommençait. Merci, Madame Sandeau. Tel un dieu hautain et distant, le capitaine d'industrie maîtrise tout. De son poste de commandement, il gère non seulement l'usine, mais aussi l'exécutif, les loisirs, toutes les affaires publiques. Mais tous les empires sont mortels. La machine du père fondateur se brise en 1913. C'est son fils qui reprendra le gouvernail. On est là-bas dans le talus. C'était vers la fontaine. Quand c'est beau, j'ai acheté, ils ont déplacé ce monument là-bas. C'est dommage, hein, ils l'ont enterré dans le talus. Puis il s'enfonce toutes les années un peu plus. Pourquoi c'est dommage? Ouais. On a quand même un certain respect pour le personne. C'est quand même lui qui a développé le village de Tavannes. Hein. C'est un village agricole avant la Tavannes Vache. Malgré tout, ils n'ont pas évolué, d'accord, mais en attendant, ils ont occupé tous les gens de Tavannes pendant des années. Hein. Dans sa publicité, Tavannes Watch se vante ces années-là d'être la plus grande manufacture d'horlogerie au monde. Oh, il y a 1200 ouvriers pendant la guerre, parce qu'ils faisaient beaucoup de munitions.
Mais c'était pas toutes des horlogers, hein, 6200. Il y a beaucoup de manœuvres. Et même les premières qui sont arrivées, c'était des Tessinoises, après des Valaisannes. Ils venaient travailler ici, mais pour la munition. Tout autour, la guerre. Une bonne affaire pour les patrons suisses. Pour l'ouvrier, la pénurie et la flambée des prix vont jeter les premiers grains de sable dans les rouages du paternalisme autoritaire. Et un jour, la machine va s'enrayer. Je me souviens de 1918, c'était le mois de novembre. Olivier Gluck a 8 ans, l'année de la grève générale. Son père et ses sœurs sont à la fabrique. Il y travaillera aussi et se syndiquera très vite, peut-être pour conjurer le souvenir de l'humiliation subie par les ouvriers de ces années-là. Nous sommes arrivés près de la Tavannevatsch. On n'entend plus le bruit des machines. Et c'était, on dit, oh, ils font la grève. Regarde. Alors nous avons vu là ces ouvriers à la ligne, comme à l'armée, sur raide, en carré, comme ça, par deux rangs, les bras comme ça. Ils avaient l'air sérieux. Ils ont dit, oh, tu verras, vous verrez, ils veulent casser les fenêtres, ils veulent casser tout. Puis on regardait. Toute la Suisse hein, est prise dans le mouvement de grève générale, sauf naturellement Tavannes. Des grévistes de Tramelan, le 11 novembre, sont venus pour appeler à la fermeture des usines. Et là, tous les contremaîtres ont appelé la population à se retrouver au temple. Qu'est-ce qui s'est dit à l'église? Entre le curé, le pasteur, le maire, le patron de l'usine, qu'est-ce qu'ils ont dit aux ouvriers? Ah ben, ils ont sali. Ils ont sali la classe ouvrière. Dans ce temple, on a fait un vote, on a compté les voix et seuls 12 ouvriers ont accepté de la cessation du travail. Donc tout le monde est retourné tranquillement à sa place de travail. On attendait le retour du papa et puis de mes sœurs. Ils sont revenus, je ne sais plus à quelle heure. On a soupé très très tard. Il n'y avait pas de la joie dans la maison. Chez nous. Parce que tous les soirs, on entendait la musique chanter. C'était terminé. Et ce fut longtemps. Il n'y avait pas de syndicat. Oh, il y avait un syndicat, mais il était très faible à cette époque. Mon père, ça a été un des premiers syndicalistes ici à Tavannes, dans les années 1918-1920. C'était dangereux d'être syndiqué à cette époque-là. Ils faisaient leurs séances, ces militants, au café fédéral, mais ils les faisaient pendant la nuit pour que personne ne les voit. Pour pas que le patron le sache. C'est plus aujourd'hui, hein. Il faut dire qu'à l'époque aussi, le socialisme était très mal vu, hein, ici. Pour être bien vu, il fallait être du parti libéral, du parti dont faisait... Parti le patron. Le patron et les chefs. Vous avez l'impression que ça forge une mentalité, toute cette emprise patronale? Ça forme un peu une classe d'esclaves, et puis bien établie, hein. Voilà. Tout ce qui reste des années de travail. Ça fait longtemps que c'est là, 2 ans? Oui, bien. Il y a 44 ans que c'est là, quand j'ai quitté. Et puis ça fait 30 ans que je n'ai plus regardé dans ce carton. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Voilà, la machine pour faire les réglages, la machine à compter. Voilà, un choix de balancier. La minutie des femmes était essentielle pour l'industrie horlogère. Suzanne Drault est entrée à la fabrique en 1942. Toute sa famille travaille aussi.
Aujourd'hui, elle a sa propre petite maison, le paradis rêvé de tous les ouvriers. J'ai eu habité là-bas, la rue du Foyer, derrière. Et puis les patrons habitaient où? Il y avait la villa de M. Roblin là-bas. Vous voyez ce sapin? C'était là d'allure qu'il y avait eu cette bombe placée sur le bord de la fenêtre. Il avait entendu cette déflagration, mais il n'y avait pas eu de suite. Je ne crois pas. J'étais trop jeune à ce moment-là. Je n'allais pas encore à l'école, alors voyez, je n'ai pas entendu parler de ça. Et vous-même, vous vous êtes jamais révoltée? Mais non, pourquoi? Pas du tout. On était heureux comme ça, je vois pas pourquoi on se serait révolté. Vous n'étiez pas toujours heureuse? Monsieur. Et des fois, vous en aviez gros sur la patate. Ah, oui, si, si, si. Quand on avait, par exemple, trop de travail pas payé, il y avait des séries où on avait du travail peu payé et d'autres avaient le travail mieux payé. Alors là, ça donnait une boule à l'estomac, vraiment. Mais je n'ai jamais rien osé dire. J'ai toujours accepté le travail qu'on me donnait et puis. Puis voilà. Quitte à pleurer dans votre coin. Ah, ben oui. Souvent, alors, j'avais une révolte et j'allais pleurer aux toilettes, mais j'ai jamais rien osé dire. J'ai commencé à 15 ans, j'en suis sortie à 23 ans pour me marier. C'était l'habitude, en fait. Oui. Les jeunes filles travaillaient à l'usine. Ah oui, c'était la plupart d'entre elles ici allaient travailler à la Tavanoach. Vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous en faisiez? Mais je donnais tout à mes parents. J'ai toujours donné mes payes jusqu'à la dernière. C'était la coutume, on donnait l'argent aux parents et puis ils nous donnaient notre argent de poche. On nous payait notre trousseau quand on se mariait, et puis voilà. J'ai encore mon carnet de paye ici, si ça vous intéresse. Vous voyez que je n'ai pas fait fortune. Payé à la quinzaine, environ 70 centimes de l'heure. Après, les payes augmentaient un petit peu. Les plus bas salaires de la région. On devenait un petit peu plus habile. Alors tout ça, c'était aux pièces. Hein. Et puis ici, on devait donner un franc à la mort d'un ouvrier. Chaque fois que l'ouvrier décédait, on donnait un franc. Voilà, il y en a eu deux, là. Les femmes, on n'était vraiment pas bien payées. Hein. On ne se dit pas les salaires entre ouvriers? Non, non, on n'a jamais comparé notre salaire. On n'a jamais dit, moi j'ai fait tant, toi tu as fait tant. Non, non, on n'a jamais comparé. Et pour garder le rythme, hop, un médicament. Bien des dames se prenaient des sarédons à longueur de journée. Je ne sais pas combien elles en ingurgitaient, mais c'était déjà la mode. Pour tenir le coup? Ben, moi, c'est une sorte de dopage, si vous voulez. Je crois que c'était pour ça, parce que je ne crois pas que ces personnes avaient mal à la tête à longueur de journée. Ça se faisait. Il y en a même qui se vendaient dans les ateliers. Avec des conséquences désastreuses pour les reins? Ah oui, on a appris plus tard. Vous savez, c'était pas général, hein, mais il y en a quand même quelques-uns. Moi, j'ai eu dans ma famille un oncle qui est mort d'une maladie de rein, alors qu'il ingurgitait régulièrement, je ne peux pas vous dire combien de sarédons par jour, mais il vivait avec des sarédons. C'est pour 25 années de travail, c'est oui, ce que vous avez reçu, c'est votre cadeau. Oui. Et si on l'ouvre, on voit que c'est vraiment des belles montres. C'est vraiment. Oui, c'est pas du chenille. C'est vraiment des belles montres. On était fiers de travailler à la Tavanoach, mais d'un côté, on sent qu'il y a une très grande nostalgie entre la splendeur de passé. Et puis quand même une amertume parce que là, on a justement dû... On s'est fait mettre au pas. On est devenu une larmée silencieuse qui se rendait tous les jours à la Tavanoach. Est-ce qu'ils ont toujours été comme ça, résignés, obéissants, fatalistes? Si on croise l'histoire et qu'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que l'esprit et le mode de vie des gens de ce pays étaient très différents. En Erguel, la région de Saint-Imier, l'esprit libertaire habitait les ateliers des paysans ouvriers. Aujourd'hui, plus grand-chose ne bouge et les témoins de cette période se font rares.
La devise des anarchistes, c'était ni Dieu ni maître. Et ici, il y avait pas mal de gens qui souscrivaient à ces idées. Ah oui, à ce moment-là. Du fait de la situation catastrophique des crises, du chômage. Et votre grand-père a connu Bakounine ? Oui, oui, oui. Et votre père en parlait à la maison aussi ? Oui, 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 c'est sûr. Je me rappelle, pendant la crise, ce chômage de 1930, il était abonné à un journal qui s'appelait le Réveil anarchiste. Je me rappelle très bien avoir lu ce journal étant gamin. D'ailleurs, ce n'était pas le seul. Il y avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'horlogers qui étaient aussi abonnés à ce journal, qui était en somme, qui avait des idées d'anarchie. Là, c'est quoi ? C'est justement le restaurant de la Clé où Bakounine tenait ses séances. Enfin, le restaurant de la Clé, ce qu'il en reste, hein, il sera rasé sous peu. Ce sera des derniers souvenirs du séjour de Bakounine dans le vallon de Saint-Imier qui va disparaître. Voilà un lieu d'histoire. Eh oui, un des derniers. Bakounine était un révolutionnaire russe qui avait été enfermé dans un bagne de Sibérie pour mener révolutionnaire. Et Bakounine était un type intelligent. Il connaissait l'esprit des pays ouvriers. Il savait bien que la population horlogère du vallon de Saint-Imier, de la Chaux-de-Fonds, des montagnes jatloises, avait des idées assez révolutionnaires. Il savait qu'il le suivrait. Et c'est pourquoi il a débarqué ici en 1865. Au début des fabriques. Exactement. Et c'est ici qu'il a fondé la Fédération jurassienne anarchiste, qui devait venir par la suite un maillon important de la Première Internationale socialiste. C'est à Sonvilliers que Michel Bakounine a vécu pendant une dizaine d'années. C'est ici, dans cette maison aux allures proches de celles de son pays natal, que le théoricien russe a vitupéré l'État, les patrons et les religions. Et il prêchait, enfin il prêchait, mais ses théories anarchistes, dans les cafés des environs, ici, dans l'hôtel de la Balance. Mais il n'y a plus de témoignages du passage de Bakounine. Même maintenant, il n'y a même pas une plaque qui signale que Bakounine a été ici. Je vous dis, moi, j'ai l'impression que la gentry considérait cette époque-là comme une époque maudite. Je pense que le souvenir de l'anarchisme s'est vite éteint. C'est vite éteint, mais maintenant, il n'y a, plus un nostalgique. Je ne connais plus personne ici qui reparle d'anarchiste ici. J'ai l'impression que des anarchistes, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus ici. Ben, ils ont été remplacés par les sectes. Hein. L'anarchisme s'en va, l'industrie, elle, est sur les rails. À Saint-Imier, l'hôtel du progrès, c'est Longines. À l'époque, près de 1000 ouvriers en vivent. Aujourd'hui, la marque elle-même emploie un peu plus de 200 personnes, dont les deux tiers à la vente et au marketing. C'est que l'arrivée du quartz a désacralisé les professions horlogères. Aujourd'hui, n'importe qui peut fabriquer une montre. Raison de plus de mettre en exergue l'image de marque, incarnée dans un ancien atelier, par un musée luxueux où sont mis en avant le génie créateur des responsables, l'efficacité technique des chronométriers et la beauté des produits manufacturés. Féru d'histoire, le directeur actuel a édité le fac-similé d'un technicien de Longines, Jacques David, qui s'est rendu à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Véritable espion économique, il en ramène les méthodes américaines de production, travail à la chaîne, hygiénisme, rentabilité. Un rapport essentiel à la prise de pouvoir d'une nouvelle race de patrons. Et ils ont secoué le cocotier. Ils ont mis en place des usines. Ils ont industrialisé, grâce à ça, ils ont pu améliorer la qualité et surtout donner du service après-vente. Ça a été pour cette région et pour ce métier un choc, puisque tout le monde pensait que seuls les horlogers, les artisans étaient à même de produire de la qualité.
Il faut s'imaginer dans nos fermes ici autour et dans nos maisons à Saint-Imier, les gens travaillaient quand ils voulaient, ils se levaient quand ils voulaient, ils étaient entourés du matin au soir de la famille, des enfants, et un beau matin, il a fallu descendre, se discipliner et vivre dans un atelier où il y avait un chef, où il y avait des horaires, où il y avait des règlements. Et tout ça a fait qu'il y a eu une résistance passive. Il y avait surtout quelque chose que nous connaissons encore ici, les vendredis et les lundis bleus. Les gens ont dû se discipliner, descendre dans les usines, respecter les horaires et laisser un peu de leur liberté traditionnelle, l'horaire qu'ils voulaient, manger quand ils voulaient, arrêter le travail quand ils voulaient. Et je crois que ça a été un grand bien pour notre métier. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes font les mêmes gestes que leurs prédécesseurs. Trois fois moins nombreux, ils assurent pourtant une production bien plus importante qu'autrefois. Assistés par une technologie de plus en plus fine, ces ouvriers en blouse blanche n'avouent aujourd'hui, hors caméra, qu'un grand souci, celui de préserver leur emploi, qu'une robotisation en cours menace implicitement. L'ouvrière s'est fondée en 1922. Après 1918 et tous les événements qu'on connaît, je crois que la condition de l'ouvrier elle était très difficile. Il y avait interdiction de plusieurs salles d'établissements publics pour tout ce qui était mouvement ouvrier ou affilié, que ce soit syndicat, que ce soit les différents partis de gauche. Je crois une certaine discrimination aussi au niveau de la population. Il y avait, je crois, vraiment à cette époque-là deux classes bien distinctes, si bien qu'il s'est créé des mouvements culturels ouvriers. Donc notamment des chorales, des fanfares, je crois qu'il y a même eu dans certaines villes des bibliothèques ouvrières. Donc il a fallu que le monde ouvrier finalement se débrouille par lui-même. Les loisirs sont aussi le prétexte des discours politiques jusque dans les pâturages. L'ouvrier et ceux qu'il représente sont puissants, au point de conclure en 1936 un compromis historique avec le patronat, c'est la fameuse paix du travail et les conventions collectives, toujours d'actualité. Ayant mis les rêves du grand soir à l'abri, il vise dorénavant la respectabilité. Ainsi, petit à petit, une nouvelle classe moyenne apparaît. L'ouvrier est devenu un petit bourgeois préférant l'individualisme confortable au grand mouvement de masse. Il était une fois une manière de vivre ensemble. Et maintenant, là, qu'est-ce qui reste de la culture ouvrière, des ouvriers? Alors maintenant, ce qui reste de la culture ouvrière, c'est ce qu'on a derrière nous, c'est la Maison du Peuple qui va devenir une banque. Et l'immense chantier d'un centre commercial. Voilà en quelques mots, je dirais, ce qui reste de la mémoire ouvrière en Erguel. Alors que c'était toute une civilisation ici. Alors que c'était, je dirais, les pionniers de l'histoire syndicale suisse et du mouvement ouvrier en général. Un patrimoine régional à la richesse évidente qu'une association ici à Saint-Imier tente de préserver et d'analyser. Les histoires de la montre ne manquent pas, les musées non plus. Mais pour l'instant, tout n'y est que luxe, calme et volupté. Là aussi, on a une histoire, d'une usine donc de Longines, ici. Mais je pense qu'il y a trois pages qui sont consacrées à l'ouvrier. On ne veut pas en parler parce qu'il y a une image qu'on a envie de donner de l'ouvrier. L'ouvrier qui a des qualités, je dirais... qui sont certainement vrais dans le sens où on fait appel à un certain esprit créateur, imaginatif, mais
Je veux dire, le quotidien de l'ouvrier qui gagne peut-être mal sa vie, qui sort de l'atelier fatigué, ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir, donc il y a une espèce de mythification du travail de l'ouvrier horloger qui s'est faite à ce jour. Et c'est en fait une histoire qui nous a été donnée, rendue par le patronat. Il reste encore beaucoup à faire pour l'histoire du travail et des fabriques, pour l'histoire du plus grand nombre. Ici, près de la moitié de la population active vit encore par et dans les usines. Mais Catherine, la mémoire d'une région, ce ne sont pas que des archives poussiéreuses, en fait. Non, heureusement. La mémoire, c'est aussi le présent. Et là, nous constituons des fonds importants, en l'occurrence des portefeuilles d'images sur des gens de la région, des gens, des artistes, des lieux. Tout ça, histoire de définir une identité. Tout à fait, tout à fait. Histoire de définir une identité et aussi d'éviter peut-être de tomber dans le piège de, je dirais, de s'intimier, nostalgie. Non, on vit dans le présent, ce présent qui deviendra aussi très vite histoire de la région. Et je crois que ça ne peut que renforcer l'identité d'une région qui en a besoin. Stand by. Je retiens personnellement cette belle phrase toute simple que prononçait l'un de ses ouvriers tout à l'heure. Quand on ouvre une montre comme celle-ci, on voit que ce n'est pas du chenil. Eh bien, tout le monde vous le dira, cette simplicité, cet amour du travail bien fait sont profondément ancrés dans l'identité des Jurassiens. Une identité que l'un d'entre eux, un ancien banquier, a souhaité préserver à sa manière en offrant son temps et son argent à la mémoire horlogère de sa région, en attendant peut-être lui aussi qu'un jour le beau temps revienne. Roger Ayot, 75 ans, n'est pas un retraité comme les autres. De sa maison des Hauts-de-Moutier, chaque matin, l'ancien banquier va rejoindre son bébé qui a vu le jour publiquement il y a 6 mois. Son nom de baptême, le musée du tour automatique. Salut. Salut Roger. Voilà, tout va bien? Ça va. Le tour automatique a été cette machine extraordinaire qui m'a fasciné déjà dans ma carrière de banquier, où j'ai eu l'occasion déjà d'entrer dans les entreprises et de connaître beaucoup mieux de quoi est faite la vie économique et la vie industrielle. Et à côté de mon attachement aux arts, n'est-ce pas, j'ai considéré que la mécanique, la vocation de Moutier à la mécanique était quelque chose de splendide, qu'il fallait conserver. Je suis arrivé à Moutier comme employé de banque. C'était peut-être pas une vocation fondamentale chez moi, puisque j'ai toujours gardé, à travers toute ma carrière bancaire, j'ai gardé une curiosité pour les arts, pour la culture, etc. Et j'ai essayé d'apporter à la population de Moutier ce que je pouvais apporter en étant déjà présent, en assistant à tout ce qui se passait sur le plan culturel et social. Je crois que j'ai même été, je me souviens, au départ, j'étais membre du Mouvement Populaire des Familles, ce qui ne cadrait pas tellement avec... mais ça fait rien, j'étais curieux de savoir ce qui se passait dans tous les milieux, et n'est-ce pas, et je m'associais facilement parce que je trouvais que la vie, c'est l'ouverture vers les autres. «
C'est rentable, la passion culturelle, qu'en dit l'ancien banquier? Non, sans doute pas, parce que j'ai oublié de m'enrichir, je crois, dans mon métier, comme ce serait possible pour beaucoup de banquiers, n'est-ce pas? Moi, c'était un objectif qui ne me touchait pas. Je ne voulais pas passer mon temps à feuilleter les cours de bourse, etc. J'ai eu l'amour de l'histoire comme ça, et pour moi, vivre dans la continuité de l'histoire, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi je suis attaché à mettre en vedette ce tour automatique. C'est grâce au tour automatique que Moutier, dès 1880, donc, a grandi, a prospéré, a créé des emplois. Il y avait, dans les belles années, les années 60, 70, n'est-ce pas, 3000 places de travail ici à Moutier, n'est-ce pas, pour une ville de 5-6 000 habitants. C'était assez extraordinaire. J'ai de l'admiration pour cette machine qui est une machine qui est un chef-d'œuvre du point de vue mécanique aussi. Vous savez les faire marcher, ces machines? Oui, celles qui sont en état de marche, je peux tourner le bouton et puis les montrer le fonctionnement des câbles, des outils, de la poupée mobile, etc. Mais je ne saurais pas travailler sur la machine, c'est clair. Ce que j'ai appris, je l'ai appris plus intellectuellement que par le savoir-faire des mains. Bon, mais qu'est-ce qu'un tour automatique? Son ancêtre, le tour de Potier, est considéré comme la plus vieille machine de l'humanité. Le tour automatique, lui, a été inventé il y a un peu plus de 100 ans. Son jeu de cam, sa poupée mobile et ses burins ont d'abord servi abondamment l'industrie horlogère. Ce que l'ancien horloger créait manuellement, le tour l'a produit automatiquement et en série. Outre les pièces d'horlogerie, une multitude d'objets pour l'électronique, l'hydraulique, l'aviation et l'automobile sont fabriqués par les tours automatiques. Roger a arpenté le territoire de la région. Il a écumé les caves des fabriques pour trouver la pièce manquante à sa collection. Aujourd'hui, il visite l'usine Vizard à Grandval qui emploie aussi bien la commande numérique que des tours certifié 50 ans d'âge. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est une Bichler. Oui, ça, c'était C32. Alors, voilà l'astuce. Hein. Donc, vous voulez changer les broches, ça vous déverrouille dans les segments qui arrivent. Ça vous change la broche. Hein. Ah oui, je vois. Et tout ça, c'est toujours les mêmes choses. Il y a juste les segments qu'on change. Vous avez une barre cylindrique qui fait ou bien une barre carrée? C'est une barre carrée. Hein. Carrée, ah oui, c'est ça, oui. Et vous pouvez sortir combien de pièces là, la minute? Oh, environ une centaine à l'heure. À l'heure, une centaine à l'heure, c'est ça, oui. Oui. Ayant plus d'un tour dans son sac, Roger a pu les entreposer définitivement dans cette maison, la Villa Juncker, du nom du premier constructeur de machines-outils de Moutier. Le tour est joué, la boucle est bouclée. J'ai lancé ce projet en 1979 dans le cadre de la société d'embellissement dont j'étais le secrétaire. Pratiquement, j'ai opéré tout seul. Donc j'ai reçu des tours, j'en ai acheté. Vous avez mis combien dans ce musée? Oh, ça, je n'en sais rien, je ne fais pas de compte, je ne suis pas un comptable. Et plusieurs dizaines de milliers de francs, assurément. Alors ces machines, vous avez parfois dû les arracher à la ferraille, hein, d'une certaine manière, ce n'était pas évident. Tout à fait, parce qu'il était une époque où les usines préféraient jeter à la ferraille ces machines plutôt que de les voir réutilisées par des décolleteurs amateurs ou des choses comme ça. Les industriels n'ont pas le sens de l'histoire. Nous n'avons pas dans les entreprises le temps de cultiver le passé, malheureusement. Nous n'avons pas le temps d'archiver, d'organiser, etc. Donc nous sommes, nous, résolument tournés vers le futur. Et c'est en cela que le musée est pour Tornos-Bechère quelque chose d'absolument formidable, que peu de sociétés ont jusqu'à maintenant. Et ceci, nous le devons principalement à son conservateur. Alors, est-ce qu'on peut parler d'œuvre de votre vie?
non, non, je ne pense pas. C'est, je fais cela, je suis... Bon, ça donne la possibilité de, disons, de mettre à la disposition de la communauté, n'est-ce pas, ce qui moi, m'a beaucoup intéressé, toute l'histoire de Moutier, n'est-ce pas. Le tour au musée doit justement ouvrir le chemin vers l'avenir. Il doit être en même temps une leçon de mécanique pour les jeunes, pour les apprentis, pour tous les jeunes. Et aussi, je pense qu'on ne peut créer quelque chose pour l'avenir qu'en connaissant, en sachant d'où cela vient, n'est-ce pas, pour qu'on puisse continuer le mouvement vers l'avenir.